cocorico au championnat du monde de judo. La Française Clarisse Agbegnénou remporte le titre au Qatar. Oui, son sixième titre de championne du monde des moins de 63 kilos. Une victoire d'autant plus impressionnante qu'elle revient de congé maternité, Axel May. Oui, écoutez cet hymne qui a retenti dans le dojo des championnats du monde cet après-midi. La Marseillaise, Clarisse Agbegnénou, est pourtant habituée à l'entendre. Un championne olympique, 5 fois championne d'Europe et désormais 6 fois championne du monde. Mais cette médaille d'or a, comme elle dit en riant, un goût de lait de maternité. 11 mois seulement après la naissance de sa fille, elle espérait ce nouveau titre sans trop y croire. En arrivant là, je me sentais un peu mieux, mais je me suis dit, bon, ça va être un peu chaud d'aller chercher un titre. Je sais que j'avais le niveau pour avoir une médaille, mais le titre, il me manquait encore des petites choses encore à régler. Et finalement, tout s'est bien passé. Je suis tellement fière de moi, tellement fière de ma fille qui, franchement, elle est top. Elle m'a laissé un peu dormir ici, comme je continue d'allaiter, bien sûr, et surtout la nuit. Mais je t'avais promis que j'allais te ramener cette belle médaille d'or. Voilà, c'est fait et je vais lui mettre autour du cou. La petite Athéna a assisté en tribune à la victoire de sa maman et sitôt la finale gagnée, Paris-Pont face à une Slovène, Agbegnénou s'est projetée sur les Jeux de Paris où elle espère, bien sûr, conserver son titre olympique. Merci Axel May.